les rayons de rampe, les réceptions, tout est calculé, les prises d'élan, le métal déployé pour le grip. C'est pas, on ne vient pas là et on saute comme ça, quoi. C'est vraiment du gros calcul. On modifie les arrières de cadre pour pouvoir choper l'arrière de cadre pour nos figures. On met des guidons plus hauts, les suspensions, on durcit l'hydraulique pour avoir des suspensions plus dures, amortisseurs et fourches. Amortisseur de direction pour que le guidon ne parte pas dans tous les sens quand on lâche le guidon. Et après, sinon, c'est des motos d'origine. Ouais. Il y a les tsunamis, il y a les cliffhangers, il y a les backflips, donc, c'est-à-dire les sauts périlleux arrière. Et maintenant, on rajoute des figures avec les backflips, donc ça devient compliqué. C'est un spectacle, du grand spectacle de Massois. Oui, c'est du grand spectacle. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraînement, des années d'entraînement. Et tous les jours, et physiquement, et sur la moto. Et non, ça, c'est pas comme ça.